Vous en êtes le rédacteur en chef depuis 88. Vous êtes aussi l'un et l'autre, vous avez participé à la création de Radio Nova, qui est plutôt une radio qu'on aime bien, nous autres, et puis c'est réciproque, d'après ce que j'en sais. Et voilà, c'est un magazine très très branché sur le sexe, en tout cas ce numéro-là, comme si vous vouliez faire un petit peu le point de ce que vous appelez, et puis un certain nombre de gens appellent, la deuxième révolution sexuelle, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est des comportements sexuels, affectifs, avec le sida qui rôde. Vous êtes adjoint à des signatures extrêmement prestigieuses, on en parlera avec elle, Claire Nebout, Lisa Brenner, des photographies de Yann Morvan dont on parlera tout à l'heure. On en parlera plutôt qu'on ne les verra parce qu'elles ne sont pas totalement montrables à la télévision. C'est quoi ce projet? Alors, vous me demandez quelle serait ma première question, c'est la question la plus con qu'on voulait poser, comme ça. Dommage. Alors d'abord, oui, je le montre comme ça pour qu'on le voit. On va le voir à la verticale. Mais non, parce que en ce moment, il y a toute la campagne SIDA, hein, on la voit, elle se développe partout, etc. Qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre finalement, mettez des capotes, attention, la mort rôde, etc. Et puis finalement, on sait absolument très bien que, un, ça ne marche pas, hein, que deux, tout le monde ne réagit absolument pas comme ça, par rapport au SIDA, etc. Qu'en fait, la question du plaisir, du sexe, etc., elle est toujours là à nous hanter, à nous tarauder, et en fait, on essaye de trouver la manière de s'adapter, de jouer avec, et on voit bien que uniquement polariser ça sur des questions de capote, de plastique, etc., c'est idiot. Et en fait, finalement, nous, ce qu'on pense... C'est idiot, mais c'est quand même utile, non? Oui, attends, moi, je pense que c'est idiot, évidemment, c'est utile, mais en même temps, disons, c'est un petit élément de l'équation, quoi, parce que si on dit que ça, ça n'a aucun intérêt. Je donne un exemple simple. À partir du moment où le plaisir, le sexe est marqué par la peur et par la mort, qu'est-ce qui se passe? Il y a un effet pervers, pour le coup, immédiat. C'est que tout ce qui est de l'ordre du flirt, du contact, du flirt poussé, de jouer, de la séduction, du plaisir immédiat, devient indifférent, devient beaucoup plus banal, beaucoup plus immédiat. Et donc, finalement, le sida a un effet immédiat, c'est qu'on est dans une séduction beaucoup plus légère, etc. Tout ce qui est de l'ordre copulation, coup de piston, etc., par ailleurs... Et finalement, ça ouvre tout un espace qui est très différent. Mais on peut se demander si, par exemple, il n'y a pas la vogue du sadomasochisme, des relations, enfin des rapports de voyeurisme, d'exhibitionnisme, oui. C'est-à-dire tout ce qui est une exploration des rapports sexuels où, justement, la question de la pénétration et de l'éventuelle contamination est en quelque sorte écartée. Est-ce que c'est pas un des effets, pervers ou pas, du sida que de favoriser ça? Oui, ça a créé ce que nous on appelle dans le journal des machines à jouir. Chacun a dû fabriquer la sienne, la trouver. Et comme on est dans une période d'extrême permissivité, vous pouvez tout trouver aujourd'hui. Tout ce qui peut vous faire plaisir, tout ce qui est imaginable. En tout cas, en feuilletant le journal, oui. Hein, on n'a rien inventé, on est allé voir simplement où ça se passait. Et on peut tout trouver, si vous voulez, du piercing. C'est devenu très récent, c'est arrivé en Europe, on n'avait jamais vu ça, c'est arrivé depuis 2-3 ans. Vous avez du piercing, si vous voulez du sadomasochisme, vous en avez. Si vous voulez être lesbienne, vous pouvez être lesbienne. Il y a des endroits... Enfin, vous, difficilement, et moi aussi, oui, mais avec un peu d'imagination. C'est toléré et ça ne choque plus personne. Non, mais là-dessus, ce qui est intéressant, c'est évidemment, tous ces phénomènes sont toujours petits et marginaux. Ils ont toujours existé, dit-on. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais d'abord, ce qui se passe, c'est que d'une part, ces phénomènes sont beaucoup plus amples qu'ils n'étaient. Par exemple, c'est frappant qu'à Paris, en ce moment, il y a 15 à 17 clubs d'échangisme. Pourquoi? C'est quand même curieux. À une époque, c'est un peu, moi ça me fait un peu penser à quand il y avait la comédie musicale dans les années 30, quand on était en pleine crise, les gens regardaient les comédies musicales, etc. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tout ce qui est de l'ordre du voyeurisme, des jeux, des contacts, etc., devient beaucoup plus important, beaucoup plus amusant, parce que justement, ce qui est le côté hard du sexe, il doit être... Il en enlève ses lunettes, pour nous en parler. Et alors, il y a autre chose aussi... Et ce qui est intéressant aussi, c'est pour ça on dit ça dans l'édito, c'est qu'on dit finalement, on est plus intelligent que la mort. C'est-à-dire, effectivement, la mort rôde. Mais alors, pourquoi est-ce que la mort va nous damner comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas inventer d'autres manières de jouir, etc. Donc, ce qu'on a fait, on a demandé à tout un paquet d'écrivains, d'artistes, etc., de réfléchir là-dessus. Et ils ont chacun amené des textes, tous différents, quoi. Chacun, par exemple, certains couples, ils disent comment ils explorent ensemble. D'accord. D'autres, ils disent, par exemple, nous, ce qu'on explore, c'est la fidélité à plusieurs. Intéressant comme adaptation. D'autres, ils disent, par exemple, c'est le flirt poussé. Oui. On va assez loin, mais pas tout à fait jusqu'à la mort, etc. Et puis, il y a, par exemple, le texte de Lisa Bressner, qu'on connaît comme l'auteur du sculpteur de femmes qui était paru l'année dernière, la saison dernière chez Gallimard.
Et alors, il y a un texte au vitriol qui commence comme ça. « J'ai 20 ans et les mecs ont peur de moi. Parce que je suis laid et conne ? Non, c'est tout le contraire. » Et ça continue sur ce ton, quoi. « Si je n'ouvre pas la bouche, ils me trouvent baisable. » Je vous cite, hein. Alors, ouvrez-la. Je crois... Attention, les dégâts. Je crois surtout que c'est nous, maintenant, en tout cas les filles de mon âge, qui n'avons plus peur de rien du tout, et que les mecs sont un petit peu en retard sur les folies dont on a envie, qu'ils ne suivent pas très bien, que nous, on n'a plus du tout ni les tabous des grands-mères, ni encore les hésitations de nos mères, qu'on est complètement libérés, mais dans le sens où on a pu quand même tirer un petit peu les leçons des années 70. Et à ce moment-là, on se trouve devant une situation où on a envie de choses de plus en plus, libres. Et c'est vrai que les hommes réagissent, ils réagissent, mais je pense qu'ils sont encore un petit peu... qu'est-ce qui va se passer? Il faut un petit peu, je pense, les tirer. Vous faites sur les hommes un catalogue qui est un peu l'anti-catalogue de Leporello, quoi, voilà, parce que vous écartez les puceaux qui ont peur du sida, les intellos qui s'endettent pour rembourser les frais que leur occasionné l'édition à la pensée universelle, les flambeurs, les embryons morveux qui crient maman dès qu'on leur fout la main au cul, les futurs PDG, restent les profs de 40 ans qui vous promettent de divorcer tous les 6 mois. C'est quand même... terrible comme constat. Enfin, encore que le corps enseignant, ça. Il y en a d'autres. Bien sûr, c'est un texte comme ça. Mais je crois qu'il y a, oui, les femmes n'ont plus peur de grand-chose maintenant. Et c'est peu un homme idéal qu'elles cherchent. Donc, c'est pour ça que je fais une espèce de liste débile, finalement, parce que c'est des gens qu'on rencontre, mais qui restent donc en retrait. Et l'homme idéal, il est, je sais pas... Et vous concluez votre article en disant avec nos grands airs, on leur a ôté l'envie de nous séduire. Ouais. C'est pas un petit peu stéréotype quand même sur le rapport homme-femme aujourd'hui que de dire ça? Bah maintenant, je crois depuis 20 ans en tout cas, on a appris à bosser, à réussir, à avoir une tête bien faite et bien pleine. Et c'est vrai qu'avant, c'était pas tout à fait le cas. Et qu'on est plus sur un pied d'égalité, pas en tant que féministe du tout. Sans être féministe, on a un certain pouvoir, quoi. Et on peut s'en sortir très très bien. Et les mecs, ils se disent « Merde, elle y arrive !» Et moi, alors, je traîne, parce que finalement, parfois, ils sont pas si à la hauteur, quoi. Claire Nebout, c'est votre... Ça résonne, parce que c'est pas la même génération, donc c'est vrai que les femmes se sentent épanouies comme ça, accèdent à des choses qu'elles n'avaient pas avant. Mais moi, j'ai du mal, j'ai pas envie de me bagarrer avec les hommes, je les adore et c'est vrai que la femme... Elle les aime. Oui, c'est bien un sûr, amour déçu, mais, visiblement. J'ai pas envie de parler de leurs défauts ou de leurs faiblesses. Je trouve que ça va avec un être. Ça fait un tout. Et donc, je crois que chacun en a besoin aussi. Et... En même temps, vous dites que les filles d'aujourd'hui rayonnent plus ou plus volontiers que les hommes. Oui, parce que oui, comme elle disait, elles arrivent à s'épanouir, à faire plein de choses qui n'étaient pas permis avant. Et on leur laisse beaucoup plus de crédit. On les écoute aussi. Il y a plein de femmes qui font des choses et qui sont entendues, qui sont ressenties. Qu'est-ce qui vous a poussé à collaborer à cette nouvelle revue? Est-ce que c'est l'idée que chacun parle à la première personne? Parce que c'est un peu ça quand même qui ressurgit, c'est que c'est pas des discours très généraux. Quand c'est des discours généraux, c'est quand même assumé d'un point de vue très personnel, très individuel, avec un engagement personnel, quelquefois très intime, quelquefois plus pudique, mais en même temps personnel à chaque fois. Oui, non, mais enfin, c'est drôle parce que j'ai l'impression ils ont peu de jours à vivre. On va les descendre, mais en même temps, c'est des gens qui dénoncent des choses et qui vont au bout de leurs idées. Ça, c'est bien. Et c'est pour ça que c'est cet ADI qui m'a donc. Ce qui nous a frappé surtout, on a voulu avoir beaucoup de filles entre 20 et 30. Parce que cette deuxième révolution sexuelle, telle que nous on la voit, c'est vraiment celle des femmes, quoi, cette montée en puissance extraordinaire, au même moment où on est extrêmement libre et au même moment où on court tous les dangers. Donc c'est un peu ces trois facteurs qui créent cette deuxième révolution sexuelle qu'on essaye de raconter dans tout le journal.